Alors, du coup, oui, pour les gens qui viennent d'arriver, aujourd'hui, c'est Immersive Engineering. Du coup, on va essayer de faire une petite zone. Je pense qu'on va se faire cette zone-là. On va devoir faire tout le sol. Et tout le sol, ça que je veux commencer, c'est le sol. J'ai envie de le faire en Nether Brick. Que t'as une utilité dans le... Wow ! Ouh ! Ouh ! La Nether Brick comme ça, elle est née ! Stylée, Netherrack Brick. Elle est née pour être stylée. Pourquoi on a pas ça dans le Minecraft Vanilla ? Voilà pourquoi j'aime le modder. Preuve que j'aime le modder. C'est juste pour ça. Mais on a le même sol, du coup. Bon, on va pas faire le même sol. Ah, il est moins bien, hein. Ah, quoi ? Oh, quoique. Est-ce qu'on l'utilise en mur ou est-ce qu'on l'utilise en sol ? Je le vois bien en sol. Est-ce qu'on continue à faire le mur en rose, du coup ? Enfin, en rose, vite fait, parce qu'il y aura beaucoup de vitres. J'ai envie de faire une base vraiment ouvert, mais en termes de ouvert, c'est ouvert en termes de luminosité, quoi. Il y a plein de baies vitrées. Faire des baies vitrées tout le long. Des murs, hein, de temps en temps, mais des baies vitrées, quoi. Ah, attendez! Eh, mais vous êtes beaucoup d'Enderman! Ça fait beaucoup d'Enderpearl, ça! Ça sent les graines, ça, hein! Les graines d'Enderpearl que j'ai besoin, là. Je vais tous vous stériliser, vous allez rien comprendre. Bon, toi, je sais pas qu'est-ce que tu fous dans le tas, mais... Je vais y passer aussi. C'est intéressant, ça. Très intéressant. On va peut-être prendre un pattern de deux blocs. On va faire un mur lisse. Tout lisse. Comme ça. Et pour le rebord des fenêtres, on va faire un mur tout lisse. Comme ça. Et là, je veux une fenêtre. Bam, pas mal, non? Tout ça intéressant. Finalement, ça passe bien, regardez. Du rouge, du rose et du... brun, marron. Ça passe bien, hein, finalement. Ok, nickel. La salle est faite. Faut juste faire, du coup, les vitres. Et ça, on va faire un peu plus tard. La question est, est-ce qu'on fait ça de ce côté-là? Et du coup, tout soit aligné là, en face. Parce qu'il y a une porte d'entrée là, une porte d'entrée là. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un genre de carré et faire une zone que pour les garden cloches. Donc, je pourrais le faire là, en fait. Voilà. Voilà, ça c'est good. Iron plate. Et là on a besoin de bambou. Ah non, c'est bambou ou paper. Ok, autant pour moi. J'allais dire... J'ai pas de bambou moi. J'ai pas du tout de bambou. Donc on a posé la table, on a le schéma, on a le crude oil générateur du coup à côté. Là ce qu'il nous faut c'est des ampoules. Il nous faut du sable. Je vais essayer de faire des graines de fer. Je vais essayer de faire un maximum de garden cloches, déjà, pour commencer. Comme ça, on essaye d'avoir pas mal de garden cloches juste pour au moins une dizaine de garden cloches pour les Inferniums. Peut-être un peu plus, on va voir combien on peut en avoir. Faut que je fasse une ligne pour voir combien on peut en avoir. Je vais faire une ligne de blocs, savoir combien on peut avoir de garden cloches sur une seule ligne. Comme ça, ça me donne un petit peu une idée de combien on va en faire. Comme ça, je fais garden cloches pour graines de charbon. Charbon, uranium, il faut masse uranium. Oh, mais oui, il me faut masse uranium en fait. Graines de charbon, graines d'uranium, graines d'infernium, graines de fer. Ça fait beaucoup de garden cloche hein, si c'est plus d'une dizaine sur une seule ligne. Je vois un peu la vie en grand là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 garden cloches et on garde tout cet espace là. Ah, intéressant. Ça nous fait 25 garden cloches pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 minerais différents. Parce que c'est bien beau de faire les allées, mais il faut que je fasse des allées aussi pour les tchodos. Parce que l'eau va arriver par en dessous. Bon, là c'est la rangée de toyo à faire. Ça fait beaucoup de toyo. Tout ça, ça doit réunir à un point. On va avoir un lavabo juste ici. Faut crafter les tuyaux aussi. Faut juste que je fasse les tranchées du coup. Alors, normalement il nous faut beaucoup beaucoup de fer pour faire les toyo. Parce qu'on a des toyo juste ici. Ces toyo là, si on craft... C'est ça, faut de la redstone et beaucoup de fer. Énormément de fer. Et c'est pas le truc que j'ai le plus quoi. J'ai un petit rendement de fer, mais pas extraordinaire non plus, quoi. Garden cloche. J'ai tout ce qu'il faut. Je peux en crafter 21. Mais ça, c'est tellement beau. Bah, même si on a plus que 21 dessus, mais... C'est tellement beau. Je crois qu'on en a 22 sur la ligne. Ouais, c'est ça. Mais c'est tellement beau. Voilà, toutes les garden cloches posées d'affilée. Magnifique. D'ailleurs, sublime. J'aime beaucoup. Et là-dedans, on va mettre le fer. On va faire des graines de fer et on va mettre tout le fer là-dedans. Alors, vous allez rire parce qu'il en faut beaucoup. Et je crois que les graines de fer, c'est de tier 3. Iron, ouais, tier 3. Donc, ça veut dire qu'il nous faut crafter des essences de tier 3. Pour crafter des essences de tier 3,
avant ça, faut qu'on craft des essences de tier 6. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire une gemme infinie. Parce que la gemme infinie va être très important pour qu'on puisse crafter à l'infini les essences, en fait, upgrade les essences au tier max. Ça va être compliqué si on doit recrafter à chaque fois les gemmes, donc faut qu'on se focalise là-dessus aussi. C'est déjà rempli d'eau. Là, il nous faut juste de l'énergie, et normalement, c'est bon, c'est open, ça peut fonctionner. Et on peut commencer à faire du crafting de gemmes. Du coup, on passe sur Mystical Agriculture, et on doit crafter ces gemmes qui sont juste ici. Voilà. Faut qu'on crafte ça, et il faut du Prosperity Shard en masse. Il faut de l'Infernium Gem en masse. En masse, entre guillemets, parce que du coup, au fur et à mesure on upgrade, au fur et à mesure ça consomme moins pour crafter le Superium et le au-dessus, le Ultimate. Parce que l'Ultimate c'est 6, du coup c'est des tiers 6. Ça va prendre beaucoup de temps, mais bon. Quand on a tout ça, en vrai ça va. Ça a déjà produit un bon stock. Je l'ai fait en début de game en même temps, donc ça aide. A few moments later. 9. Non. 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 J'ai été trop content. Je pensais qu'on pouvait le faire et tout. On était là, il y a que 60, donc ça peut prendre un stack max. J'ai plus un stack. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, fallait s'y attendre. Et du coup, l'utilité de ça. Ah, mon ref, à un moment, arrête de déconner, quoi. Faut du diamant pour faire de la bonne mille. Eh, faut que je fasse plus de potes, en fait. Je suis en train de me dire, là, ça me fait beaucoup, hein, mais pas assez, il m'en faut plus. L'éolienne, il galère, hein. Attends, quoi? Ça fait beaucoup de dégâts? Attends, attendez, j'ai découvert un truc. Y'a un mob. Viens ici. Faut que je teste. Oh, le zombie. Ah, merde, les lights. Tiens, prends ça. Tiens. Tiens. Ah, ah, non. C'est bon. J'arrête de taper tes parents. Les myolones. Viens, viens. Attends, mais ça fait pas de dégâts, du coup. Ah, si. Ah ouais, c'est un quart de cœur. Ouais, ça a fait des dégâts, mais c'est un quart de cœur, donc c'est pas extraordinaire. Mais c'est très stylé. Je sais pas c'est quel mode qui permet de faire ça, mais c'est très stylé. 4, 5, 6. 6 de plus, c'est déjà bien. J'ai de l'obsi. Tiens, bouffe mon obsidienne. C'est là, il sourit, tu mets un petit coup de briquet, ça fait un portail du nether entre ses dents. Je cale le portail du nether entre mes dents. Bah ouais. Oh. Enfin. Enfin. Bam. Oh, alors, il faut juste ça. Oh, 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 oh. Let's go. Bam. Tac, tac. Bam. Là, on crafte ça. 3, 2, 1. Master Infuseur! Et du coup, tous ceux-là sont obsolètes. Voilà, ça dégage. Du coup, il n'y a que ça qui est important. Ok, on peut se faire une graine de fer. Qui est nickel. Moi, minimum 1. C'est déjà bien. Commence bien. Le minerai de fer commence par 1. Et bam! Mais on peut pas le planter, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. On peut pas le planter parce qu'on n'a pas assez d'essence. Il faut une essence de tier 3 et j'ai actuellement... Pas du tout ça! Ouais, c'est validé, mais je n'ai pas du tout la terre. Pour avoir la terre, il faut faire ceci. Et avoir un tier 3. On peut avoir un tier 2. Ah non, on peut avoir un tier 3, trop bien. Même deux tier 3, nice. Et là, là les graines. Là les graines font le taf, là. Là oui, là oui. Bam, enfin la production de fer commence. Oui, pousse. Pousse, ma petite plante, pousse. Pousse bien. Oh oui. Après, il nous faut du fer pour faire plus de trucs. En vrai, les garden cloches sont intéressants. Car il nous faut du fer pour faire les garden cloches. Il nous faut du fer pour faire les pipes, pour faire arriver l'eau. Et pour faire ces pipes là aussi. Et je pense que le deuxième rangée de garden cloche, ce sera la redstone. Même si la redstone produit un maximum. C'est vraiment énorme la production de redstone en mode garden cloche. Du coup, on va être tranquille en niveau de redstone pour un bon moment, je pense. Mais c'est une bonne production. Ce sera très intéressant. Donc là, il va produire, il va arriver ici. Ça, c'est trop bien. Bon, ça, c'est moche. On est d'accord, ça, c'est moche. Mais c'est le temps. Il faut que je farme les enderpearls. Et je pense, prochain épisode, on farmera les enderpearls pour avoir de l'énergie sans fil pour commencer Flux Network. Parce que c'est très important, Flux Network, n'empêche, pour pas avoir des câbles qui dépassent comme ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, c'est branché de là à là-bas, quoi. Oh, nos premières essences. Il en faut 8. Avec 8 essences, je crois qu'on peut faire 6 lingots. Donc c'est pour ça, au fur et à mesure, ça va grandir. Au fur et à mesure, il y a plus d'essences. Au fur et à mesure... Non, au fur et à mesure, il y a plus de graines. Au fur et à mesure, il y a plus d'essences. Donc plus récurrent des essences. Et du coup, plus de fer en moins de temps. C'est pour ça que là, je suis en train de tryhard le tier 3. Rangée de redstone qui commence. Normalement, j'ai quoi de crafter les graines de redstone? Normalement. Il me faut vraiment les graines de redstone. 4. 4.
Oh là là. Produit déjà, produit. Produit. Une seule dans une garden cloche, ça en donne deux. Et l'utilité, c'est que avec 8, on peut en faire 12. Donc ça va faire énormément, énormément. Ouah, tout le fer. Alors là, c'est que les essences qui nous manquent. Je pense, ouais, prochaine liste de garden cloche, là, prochaine rangée de garden cloche, ce sera les essences. Oh, obligé, obligé. Obligé, sinon ça va jamais avancer, en fait. Ça, c'est bon, ça. Ça, j'adore, ça. Oh là là. Enfin, les ressources qui commencent à arriver au bout du troisième épisode. Ça me met bien, très bien. Donc là, ici, ce sera l'infernium. J'ai fait tout, oui. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste transvaser les infernium. Eh oui. Oh là là, consommation. Consommation pure et dure. Ah ouais, bah du coup, j'ai mis en off le réacteur nucléaire, mais... Là, maintenant, ça consomme beaucoup, là. Eh bébé. Ça produit plus, là. Ouais, là, il n'y a plus de réserve, là. Ah bah oui, on, voilà. Pas déconner. Oh là là, enfin, la redstone en masse. Regarde-moi ça, cette redstone, là. Moi, j'aime bien la redstone. Oh là 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 là, le fer. Prochain épisode, on fera plus de garden cloche et potentiellement des garden cloche de minerais supérieurs comme des petits minerais de diamants, des petits minerais d'émeraude, des petits minerais d'or, des minerais vraiment qui demandent quoi. Hein. Déjà là, 25 garden cloche pour juste les infernium, ça va faire du bien. Parce que là, on a 2K, il est déjà à 800. J'ai déjà crafté pas mal de choses. Pas mal. Et en plus de ça, si je me rappelle bien, on peut même faire au dessous. Hein. Si on veut, on peut faire des garden cloche en dessous. Hein. Genre là, je prends la même ligne, je le duplique en dessous. Faire en dessous, je vais juste le pipe d'énergie qui est là, je le ramène en dessous. Il est déjà en dessous d'ailleurs, donc j'ai juste à le brancher en dessous. Et le pipe de récupération, j'ai juste à le faire descendre. Il récupère ceux d'en bas et c'est bon. Et l'eau aussi est déjà en dessous, donc c'est nickel. Si on veut plus de minerais d'infernium, par exemple, pour crafter des trucs supérieurs. Et on aura besoin, en vrai, parce que l'armure de Mystical Agriculture est pas mal. Pourquoi? C'est qui, eux? Vous voulez voler mon infernium, c'est ça? Mais attends, mais il sort d'où? Vous êtes méchant? Vous êtes pas méchant? Eh bien, mes biches, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode. N'hésitez pas à liker, pouce bleu, bien évidemment. Le petit pouce, l'abonnement sur YouTube, la petite cloche pour ne rien rater. Merci de suivre cette série du début jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch si vous aimez bien et que vous aimez bien discuter avec moi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir sur Twitch, lien en description. Elle danse dans la pièce.